Très bien. Allez, en avant. Nous sommes rencontrés à 20h, un soir d'automne en 1958, et nous nous sommes quittés le lendemain à midi. Jacques Calonne a commencé à peindre et à dessiner à l'âge de 19 ans, à l'instigation d'ailleurs de Christian d'Autremont, le principal fondateur du mouvement Cobra, et c'est ainsi que son aventure a commencé. Cette même recherche se poursuit, mais avec une liberté grandissante. C'est Picasso qui disait « on met très longtemps à devenir jeune ». Donc, comme peintre, il est plus jeune aujourd'hui qu'il l'était il y a 40 ans. Une œuvre comme celle-ci est certainement plus contrainte que d'autres œuvres. Elle est plus élaborée. Elle est plus élaborée parce qu'elle a été peinte il y a plus longtemps. Quand je commence une aquarelle, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. C'est la couleur qui veut ça. Je commence avec du rouge et le rouge veut aller par là et je le laisse aller par là. En somme, c'est le tableau qui se fait lui-même par mon intermédiaire. Jacques Calonne a été un grand compositeur de musique de décaphonique. Dans les années 60, ses œuvres étaient jouées sous la direction de Pierre Boulez en Allemagne. Comme certains initiés savent que je suis compositeur, alors ils justifient le fait que je peigne sur du papier à musique. Il y a une petite ironie vis-à-vis de la musique graphique très en vogue dans les années 60. Quand je peins, je n'entends rien du tout. Quand il peint, il parle d'une éternité provisoire.